Ce qui fait que la question qu'on se pose depuis toujours, depuis que, depuis que je suis petit j'entends ça, les gens qui me disent ah « je suis pour, moi je suis contre, non mais c'est n'importe quoi, mais si c'est génial, ça a marché sur moi », tout le monde s'engueule, voilà. En fait déjà c'est un faux dilemme, on, on peut être pour un certain aspect pas pour un autre, on peut être contre un certain aspect, pas pour un autre, et puis surtout la question elle est mal posée, parce que contre, pour ou contre quoi, quoi Est-ce qu'on est contre toute la thérapie On est contre le soin C'est quoi C'est des modèles différents. Bon. Alors en fait, j'essaie de, de couper les, 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 en sous-question. L'homopathie a-t-elle des fondements scientifiques La réponse est clairement non. Même les médecins nazis ont essayé en se disant Ah, c'est bien ça, on a une médecine allemande, bossons dessus, on va essayer de voir si ça marche et tout. Même eux ont renoncé. Quoi. Fondement scientifique. Euh, alors, ils sont, pour l'époque de 1800, pas complètement scabreux. Ils ont un, une certaine forme de sens, ils ont, il y a des conceptions vitalistes qui sont présentes. À l'époque, on ne se rend pas bien compte qu'une théorie réfutable, ça sent un peu le moisi. Quoi. Euh, mais en vrai, il y a tous les critères qu'on a vu jusqu'à maintenant, quoi. ça ne souscrit pas au rasoir d'Ockham. L'explication. Euh, les rares fois où on voit des choses qui fonctionnent, ça s'explique autrement, et on voit que le, les témoignages remplacent les preuves. Enfin, il y a tous les critères classiques que l'on connaît. On peut pas dire que l'homopathie a des fondements scientifiques loin de là. Mais pour les accepter, il faudrait qu'on vienne avec des preuves. Ce qui a été tenté à la fin des années 80 et qui a échoué assez dramatiquement. Je vous raconterai tout à l'heure. L'homopathie a-t-elle une efficacité physico-chimique La réponse est non. Objectivement, non. Le médicament, d'ailleurs, homéopathique il faut que je vous le dise. Pour qu'un médicament soit mis sur le marché, il doit passer ce qu'on appelle une AMM. Peut-être vous avez déjà entendu ce mot-là, une autorisation de mise sur le marché. Et donc, alors, il y a des officines qui sont censées faire le travail, et malheureusement, dans notre pays, nos officines sont plutôt ah oui, les agences nationales du médicament. C'est des structures qui sont souvent afféodées aux industries. Vous le savez ça, j'imagine. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que nous, quand on travaille là-dessus, on fait bien attention à donner tous nos liens d'intérêt, pour qu'on ne vienne pas nous dire :« Ah, vous critiquez ça, mais c'est parce que... » Comme, euh, comme dans l'agence nationale, vous avez peut-être des liens avec euh, Sanofi ou avec je ne sais pas qui. Quoi, voyez Donc, euh, non, la réponse est non, on a des liens avec personne. Ça nous permet de parler assez librement. Le médicament homopathique, lui, il a une AMM comme les autres. Alors une AMM, c'est quoi Normalement, vous devez, quand vous, vous proposez un médicament, vous devez montrer qu'il n'est pas nocif, donner son mode de fabrication et montrer son efficacité propre. Et vous vous rappelez, je vous ai fait un petit schéma sur ça. Qu'est-ce que c'est qu'une efficacité propre Vous vous souvenez de ça Je vous ai montré contre placebo, voyez, y a, on, on prend un produit actif, on prend un placebo, on regarde les deux colonnes et si celle-ci dé dépasse l'autre, la différence c'est ce qu'on appelle l'effet propre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet global et la différence entre les deux, c'est l'effet placebo. C'est ce qu'on appelait l'effet placebo qui maintenant en fait, il y a plein de sous-couches, mais j'en je ai déjà parlé quoi. D'accord, donc l'effet propre, c'est sur cette base-là qu'on estime qu'un médicament a un effet qui est autre que son nom, son prestige, il y a un vrai effet quoi. Et eh bien, l'AMM que passe le médicament homéopathique est une AMM, c'est les seuls qui ont ce droit-là. Ils ont une AMM allégée. Ils doivent donner leur mode de fabrication, mais ils n'ont pas à faire la preuve de leur efficacité. Et ça, j'en suis tombé de ma chaise quand je me suis rendu compte de ça. C'est-à-dire qu'en fait, un médicament homéopathique, ça passe pas le, les protocoles classiques des médicaments. On ne devrait pas appeler ça des médicaments, quoi. Ils n'ont pas à faire la preuve de leur efficacité. Je pense que je suis en train de retracer l'histoire. Je pense qu'une grande partie de ce passe-droit, que beaucoup de thérapies alternatives envient à l'homopathie, vient de l'activité de quelques députés et ministres, et notamment une ministre sous Mitterrand qui s'appelait Georgina Dufoy. Mais je, je, je documenterai ça mieux parce que j'aimerais vraiment connaître toute l'histoire. Et depuis 1984, il est remboursé. Alors pour commercialiser un médicament homéopathique, il n'est pas nécessaire de justifier son contenu, mais seulement de son mode de fabrication. Voilà, et vous n'avez pas à faire la preuve de son efficacité. Évidemment, les autres sont jaloux, les élixirs floraux, euh, ils disent, eh, Moi aussi, j'aimerais bien pas avoir prouvé mon efficacité puisque j'en ai probablement pas, donc euh, ça me permettrait de, euh, voilà, de passer. quoi. Est-ce qu'il y a une efficacité thérapeutique globale Oui. Dit autrement, beaucoup de gens con considèrent que ça marche. C'est-à-dire qu'ils sont satisfaits du soin qu'ils reçoivent. Ils sont satisfaits globalement du soin qu'ils ont eu. Alors pourquoi pourquoi sont-ils satisfaits Pourquoi sommes-nous satisfaits de, de l'homopathie bah, Première raison, généralement ce qu'on soigne, surtout en automédicamentation, parce que c'est souvent automédicamenté, l'homopathie on s'achète des granules puis on s'en sert, on sert soi-même, hein. c'est que la plupart des maladies qu'on soigne sont des maladies qui sont dites spontanément résolutives. C'est des rhumes, c'est des trucs pas graves, c'est pas le choléra. Quoi. Vous voyez, c'est pas le sida, c'est des trucs qui sont, qui sont, qui sont des, des, des pathologies du quotidien. Les, 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 les pathologies de merde, comme dit mon, mon, mon pote Albin. <laughs> les, les trucs chiants, qui ne sont pas très graves mais qui sont pénibles. Et on dit parfois, il y a un proverbe qui dit, euh, ce n'est pas très clair sur le, le, le chiffrage, mais que 8 à 9 pathologies courantes sur 10 guérissent spontanément si on les laisse faire. Quoi. Avec le temps, ça passe. Et donc, il euh, y a même des gens qui font des petits proverbes comme ça tu as un rhume, soigne-toi, ça dure une semaine, ne te soigne pas, ça durera 7 jours. En fait, que vous soignez ou pas, ça va guérir, c'est le temps qui va avancer. Et, est, et, et là, vous voyez arriver le post hoc qu'on a déjà vu. C'est-à-dire que vous prenez le machin, vous avez le résultat escompté, c'est peut-être le temps qui a fait ça, mais vous l'associez à la prise de, du médicament que, que, que vous aimez bien. Quoi. Et ça donne un post hoc ergo propter hoc, voire cours numéro 4, il me semble. Je crois que j'en ai parlé au cours numéro 4. Et c'est ça, la deuxième raison, c'est qu'on cerne mal les causalités. Et moi, je vois que... Je ne vais pas mettre ma main au feu, mais je pourrais dire qu'il ne pas, passe pas deux jours de mon existence depuis 20 ans où on ne me parle pas d'homopathie, je crois. Donc c'est un sujet qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et généralement, la phrase, 90% qu'on me dit, euh, la, la, la phrase qu'on qu 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 m'énonce, c'est euh, ⁇ Mais ça marche, puisque regarde, j'avais ça, et après je l'ai plus, et j'en prenais, et je ne l'ai plus, donc ça a marché. ⁇ Et là, ce qui est terrible, c'est qu'il faut reprendre avec la personne que vous avez en face de vous, si vous avez le temps si vous avez la patience, si vous n'avez pas trop bu de bière, si, avez, si tout le monde est calme, il faut dire, mais tu sais, en fait, un cas, une évaluation sur toi-même, c'est déjà foireux, il faut faire ça sur des grandes cohortes, il ne faut pas être objet de nous-mêmes de ce propre expérience, il faut faire des tests en double aveugle, comme on a vu dans le cours sur les expérimentations, il faut des essais randomisés, il faut une analyse statistique, et puis, et puis surtout, tu ne peux pas euh, te prendre toi comme seul objet, quoi. Un peu comme avait fait le monsieur de la cure Breus, là, vous ça vous rappelez, qui était venu à la télé qui dit ⁇ Je j'ai guéri par euh, cure Breus, donc c'est bon pour vous tous, puisque j'ai guéri moi par ça. Ben, Est-ce que tu es vraiment bien sûr que tu as guéri par ça Parce que là, tu nous mets en danger si c'est pas vrai. Et, alors, et dans l'homéopathie, je vois que c'est que des cas très parcellaires, de gens ça a marché sur moi ⁇ Et là, vous êtes, vous dites ⁇ Ah merde, il faudrait refaire avec eux un, un cours sur ce que c'est que... Une, comment construire une preuve, en fait. Et je vois que si on faisait ça très tôt à l'école... Les gens tomberaient plus dans ce biais-là, parce que ce biais, il est gros. Quoi. Vrai, quand on y réfléchit, il est gros. Ce n'est pas parce qu'on va une fois chez un médecin et qu'il nous donne un truc et qu'on en ressort et que ça va mieux, que c'est forcément le médecin qui a eu l'action et que c'est forcément le truc qui nous a donné qui a eu l'action. Ce n'est pas suffisant pour conclure à hein, une efficacité propre de ce qu'il nous a donné. Il faut comparer contre placebo, il faut le faire en double aveugle. Enfin, tout ce qu'on a déjà vu. Quoi. Oui, là, c'est une petite blague, hein, c'est une preuve du réchauffement climatique, ça. Voyez, le temps passe et puis les strings deviennent. Bon, bon bref. Bon, c'est une une iconographie qui est plutôt douteuse. Voilà, le post hoc ergo propter hoc, je vous l'ai mis ici. Troisième raison, juste, ouais, ça c'est des cas, je ne blague pas, j'en connais. C'est-à-dire des gens qui euh, bénéficient d'un attirail qui est pas toujours souhaitable, le contexte dans lequel il est fait, il y a beaucoup de critiques à faire sur le système actuel. Hein, mais il y a des gens qui sont, ils doivent leur vie à des, à des quantités de soins, mais le dernier soin qu'ils ont pris est, étant une thérapie alternative par exemple, ils vont imputer la, la responsabilité de leur guérison à ça. Parce qu'ils ont envie de ça, mais ce n'est peut-être pas le cas. C'est probablement pas le cas. D'ailleurs, j'ai un exemple comme ça qui, que, que, que je vais raconter. Je suis gêné de le raconter parce qu'il mobilise ma famille, mais euh, s'ils voient la vidéo, tant pis, euh, mais bon, peut-être qu'ils ne regardent pas. Euh, mais je raconte ce cas parce que je le trouve frappant. Je l'ai vécu moi et je vous avoue que c'est un dilemme moral que je n'ai jamais tranché. Je regarde en deux minutes. Il euh, y a une dizaine d'années, ma tante est tombée malade. Euh, d'un cancer assez foudroyant et elle a perdu la moitié de son poids en l'espace de 2-3 mois et euh, ça se passe du côté de Bordeaux. Hein. Et elle, euh, elle, elle, elle décline vraiment vite quoi. Et tout le monde est inquiet et tout et un jour elle est à la maison, elle fait semblant d'être à table et de manger, elle n'a pas faim, elle pas bien du tout quoi. Et, euh, et, et, et elle nous raconte qu'on qu 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 lui a recommandé le soin d'un magnétiseur dans le coin et que depuis quelques jours elle y va et depuis quelques jours ça va mieux. Elle dit, je sens que je vais un peu mieux, quoi. Je n'ai pas encore l'appétit, mais. Et, euh... Et donc, depuis... Et alors, moi je, moi, je commence à. J'ai envie de lui dire, euh... ça, c'est intéressant. Effectivement, ça peut être le magnétiseur qui a un effet sur toi, mais peut-être que c'est euh... euh, tous les soins que tu as eus avant qui ont un effet sur toi, parce qu'elle était dans un gros protocole. Euh... Et là, je comprends que toute ma famille n'est pas très d'accord pour que j'ouvre ma gueule, quoi. On me fait bien comprendre que ce n'est pas le moment, euh... que si ça commence à aller mieux, ben. Laisse-la tranquille, quoi. je ne vais pas l'emmerder que tes post hoc et tes bidules, donc tais-toi. Donc en gros, je me tais, je me dis, ouais, pour, bon, au fond, pourquoi pas. quoi. Et ma tante décide de, de, de suivre le magnétiseur elle finit son protocole et elle commence à aller vraiment mieux. Quoi. Elle reprend un peu de poids. Et elle commence à crier partout que c'est un miracle, quoi, que le magnétiseur l'aide tellement. Que, voilà. Et donc tout le monde se. Retient de lui dire quoi que ce soit. De toute façon, la plupart des gens sont contents. L'intérêt des gens, c'est juste qu'elle aille mieux. Donc, ils sont tous contents. Quoi. Moi, je ne suis quand même pas très à l'aise avec ça. Et, et je suis assez inquiet. Et pour, mais, mais mon inquiétude, elle était assez logique. Le cancer qu'elle avait était très peu soignable. Ça allait probablement mal finir. Et donc, à un moment, elle replonge. Gravement. Et là, quel choix est fait Elle se dit bah, Moi, je retourne plus à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, tant que j'y étais, ça allait de moins en moins bien. Quand j'ai rencontré le magnétiseur, ça allait mieux. Donc, maintenant, je vois que c'est le qui a un effet. Donc, je vais continuer avec le magnétiseur. Et donc, elle renonce aux soins. Vous voyez Et Ça se termine mal. Alors, ça se termine mal. Euh, c'est probablement pas la faute du magnétiseur, parce que je pense que ce magnétiseur, si j'ai bien compris, ne lui a pas dit arrêtez vos soins. Ce n'est pas lui. Mais il y a des fois des gens qui encouragent à arrêter le soin. Là, c'est un exercice illégal de la médecine. Hein. Mais il ne lui a peut-être pas dit ça. Il lui a dit moi, en complément, je vous fais des passes magnétiques, etc. Est-ce que c'est la faute de ma tante qui ne sait pas ce que c'est qu'un protocole expérimental qui permet de construire une preuve en, en, en médecine ou en épidémiologie, je ne peux pas lui en vouloir, elle n'a pas fait d'études là-dessus, elle ne connaît rien. Est-ce que je dois en vouloir à ma famille qui m'a fait taire Est-ce que je dois en vouloir à moi-même de pas avoir eu le courage de lui dire Est-ce que je dois m'en vouloir de ne pas lui en avoir parlé avant que ce soit grave Ou avant qu'elle soit malade Est-ce que je n'aurais pas dû essayer de la faire venir dans mes cours avant ou voir des cours de mes collègues spécialistes du placebo avant ou Bref, je ne sais pas qui c'est la faute, si vous voulez, mais il y a quand même une, y a une erreur de causalité qui peut mener à la mort. Quoi. Et il y, y a une part de responsabilité dans la mort de, de ma tante dans cette erreur de causalité. Et ça, ça m'ennuie. Donc cette diapo me touche. Quoi. Euh, je ne dis pas que tout ça, ça soigne. Hein. Malheureusement, ça fait pas mal de dégâts aussi. Il hein. y a des critiques à faire sur le système classique. Hein. Beaucoup de critiques, mais ce ne sont pas les mêmes. Parce que le système classique, les techniques qui sont mises à l'œuvre, elles ne fonctionnent pas toujours. Il y a des taux, quoi. Mais vous, on peut vous dire, cette méthode-là, ça va vous permettre à 40% de vous en sortir. Quoi. Par contre, c'est invasif, froid, euh, le staff n'est pas sympa, parce qu'on est tous surpressés et mal payés, et donc on ne va pas être sympa, et puis euh, votre douleur, on s'en fout, puis vous pouvez sonner toute la nuit, on ne viendra pas parce qu'on a trop de boulot. Et voilà, ça, tout ça, c'est glauque, et ça, ça a un effet aussi sur la guérison, ça, c'est clair. Il y a plein de problèmes dans le système classique. Mais les thérapies alternatives, leur problème, bien souvent, c'est qu'elles ne, elles ne, elles ne, elles ne remplissent pas les prétentions qu'elles présentent et qu'elles vendent, vous voyez ce n'est pas le même problème. Quoi. Les effets contextuels, je ne reviens pas dessus. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est les sous-couches de l'effet placebo. C'est ce que je vous ai montré sur le petit diagramme l'autre fois. Et pour vous donner envie de refarfouiller ça, euh, je vous ai mis ici quelques paramètres qui font que les gens sont plus ou moins placebo-répondants. Euh, le charisme du médecin, le rôle du médecin. D'ailleurs, il y a un côté tragique qui va faire un, un, un lien avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Et c'est tragique à dire, mais plus un médecin a l'air sûr de lui quand il vous donne un diagnostic. Plus on a tendance à le croire et à générer un effet placebo en le suivant. Quoi. Et en fait, c'est un peu l'éloge, on appelle ça le paradoxe de, Asher, de Richard Asher. Où plus vous avez l'air sûr de vous, même si ce n'est pas vrai, et plus le patient sera content. Quoi. En fait, c'est l'éloge de l'assurance, même quand on n'est pas sûr. Alors que normalement, vous devriez être content d'avoir un médecin qui doute. Parce s'il doute, c'est qu'il est en train de réfléchir. Je n'arrive pas à comprendre ce que vous avez. Mais la plupart des gens sont déçus. Ils viennent là comme, un peu, comme des clients. Ils attendent, attendent qu'il y ait un nom à leur maladie. Alors si un médecin doute, et ne trouvent pas leur pathologie, sont déçus. Quoi. Alors, c'est l'éloge de l'autorité. Et ça, ça pose, ça pose des problèmes moraux, je trouve. Il y a la, le patient, le, la souffrance qu'il a, qui est plus ou moins... Euh, euh, je vous ai raconté la différence entre souffrance et douleur, il me semble, la hein, douleur, la vraie douleur physique, qui est euh, différente selon les gens. Si vous êtes douillé ou pas douillé, elle est différente. Quoi. Mais les variations, elles, sont toujours, à peu près toujours les mêmes. Mais la souffrance, c'est plus que ça. C'est tout ce qu'il y a autour. C'est... Euh, comme j'entendais l'autre jour mon pote Florent Martin qui disait, qui parlait d'un cas où euh, vous, vous pourriez faire une, une broche dans le genou, une opération d'une du, broche dans le genou juste avec un, une anesthésie locale. Vous pourriez en fait. Mais au moment où vous vivez ça, vous, il y a un type qui a une énorme masse, une énorme broche, il met des grands coups <laughs> comme ça, et vous, vous êtes en bas de tripe. Nous, on est en bas de tripe. Quand vous avez un, un cal osseux au niveau d'une côte, C est, c est, moi, j'ai un petit cal osseux, parce que je me, je me suis fighté avec euh, mes copains de fight, et puis euh, j'ai pris un cal osseux à une côte. Je voulais me le faire opérer sous hypnose pour tester l'hypnose de, de, de détournement d'attention, euh, le fameux détournement d'attention pendant les, les opérations. Et le, le médecin ne veut pas, quoi. il veut pas, parce qu'il me dit Mais vous ne vous rendez pas compte. En fait, nous, on vient avec des machines, on les démarre, c'est presque une tronçonneuse de temps. Quoi. Et puis, euh, vous aurez beau être sous anesthésie euh, locale et ne pas sentir la, la douleur, vous allez bader. quoi vous allez vous faire pipi dessus quand on va arriver avec notre truc. vient en plus, ça vibre dans la cage thoracique, tout le squelette vibre, c'est effrayant. Quoi. Donc, hors de question. En fait, souvent, l'anesthésie générale se fait parce que on a, on, le médecin ne veut pas s'encombrer des réactions de, de, du patient. Quoi. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment flippantes. Quand les grosses scalpels arrivent, voyez, rien qu'une fraise de dentiste, déjà, on, on tourne de l'œil. Beaucoup d'ailleurs d'accoucheurs et d'accoucheuses en ont un peu marre d'avoir les, les papas pendant les accouchements. Non, 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 mais ça ira, je reste et tout, je reste. Il faut s'occuper du papa, faut le réanimer et tout. Enfin, ah, ça les saoule. Bref, la souffrance joue beaucoup. La maladie, il y a des maladies qui sont plus à charge psychosomatique que d'autres. Le traitement, le nom. Et on, on parlait tout à l'heure des publicités, mais les noms, le choix des noms augure, lui aussi, de, plus d'effets placebo si le nom est bien choisi. Et par exemple, Viagra. Je vous ai mis le Viagra là. Euh, il, il a été construit ce nom par des publicitaires, et ça vient de viril et de Niagara. Et en fait, on s'en rend pas forcément compte. Mais n'empêche que c'est un nom qui marche bien mieux que, je ne sais pas moi, je sais pas, Opel Corsa. Quoi, je sais pas. Oui. Ça marche mieux, quoi. c'est marrant. Je vous ai marqué plein d'autres petits trucs que vous relirez quand vous prendrez le... Puis l'engagement, évidemment, le point 5. L'engagement, la longueur de l'engagement que vous avez dans un choix thérapeutique fait qu'on aura tendance à chercher, à lire des effets beaucoup plus flagrants. Alors là, je vous ai fait les sous-couches dont je vous avais déjà parlé. Vous détaillerez Hawthorne, dont j'ai déjà parlé, Will Rogers, Yule Simpson, etc. La régression à la moyenne qu'on doit à Galton, et tout ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Quand on fait des tests en double aveugle sur des produits homéopathiques, généralement, ça échoue. Enfin, en fait, tout le temps, ça échoue. Il faut, il faut le dire, quoi. Et quand c'est bien fait et qu'on fait des méta-analyses, c'est-à-dire qu'on prend toutes les études qui sont sur un, sur un produit et qu'on les compile avec les grandes revues, avec des grands spécialistes s'occupent de ça et regardent. En fait, le constat est, est, est frappant. Là, c'est les, les études sur l'océlococcinome. On sait depuis maintenant assez longtemps qu'il n'y a pas d'effet propre. Mais il y a un effet thérapeutique global, qui est la somme des effets placebo. Quoi. Donc, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous dérange de ne pas avoir d'effet propre ou qu'on vous vende un faux effet propre, vous avez le droit de râler. Et figurez-vous que dans un livre qui est relativement sérieux qu'on trouve à la de médecine, qui est un guide médical, quoi, un peu comme le Vidal, le guide à gège euh, il y a marqué ça. Nous conseillons de remplacer. C'est le seul truc marrant du livre, hein, d'ailleurs. Hein. Enfin, je en ai pas trouvé d'autre. Nous conseillons de remplacer ce produit par un confit de canard aussi efficace contre la grippe et nous prions les laboratoires Boiron de plus embêter les canards. Bon, ceci dit, quand on fait un confit de canard, on embête les canards aussi. Mais bon, non, ils, ils sont pas très pointu sur la réflexion euh, du droit des animaux. Mais n'empêche que c'est assez comique de voir ça. La réaction de ma mère, de mon père, de mes proches, de mes copains, très souvent quand on parle de placebo, on dit, mais oui, mais l'effet placebo quand même, tu veux dire qu'en fait on est des crétins, quoi Mais non, ce pas être crétin, tout génère un effet placebo. Même un soin qui fonctionne par un médecin dans un milieu hospitalier, un truc qu'on connaît, qui n'a rien d'ésotérique, a un effet placebo. L'effet placebo, c'est... C'est le contexte, si c'est l'emballage, c'est forcé qu'il y ait un effet placebo. Il peut être nocebo, si on vous met un suppositoire vert, alors vous détestez les suppositoires verts, c'est l'exemple que j'ai déjà pris, euh, ben vous aurez tendance à moins bien aimer ce que vous lisez en vous. Quoi. Ça s'appelle l'effet nocebo, c'est l'inverse. Là, j'ai mis un exemple comme ça, de, de, qui peut-être rassurera certains d'entre vous. Le traitement a-t-il amélioré vos érections eh ben, Là, ce sont des doses de Viagra qui augmentent. Effectivement, là, on voit que l'efficacité propre, c'est-à-dire... Toute la partie qui est au-dessus de cette ligne que je fais là, on voit qu'il y a un effet propre réel du Viagra, mais il y a un effet placebo aussi. Le groupe qui prend le placebo, il y en a 25% qui sont contents. Ça montre qu'il y a une composante psychoactive, il y a une, enfin, psychosomatique, je veux dire, du problème. Quoi. Donc c'est cool de le savoir, vous pouvez faire quelque chose dessus, quoi, si vous avez ce problème, évidemment. Il n'y a pas de quoi avoir honte d'utiliser un effet placebo. Hein. L'homopathie flatte l'intuition. Ça a l'air intuitif, ça joue sur des formes de pensée magique, euh, on tombe dans le biais de confirmation d'hypothèses, on rencontre que des gens qui sont satisfaits, vous surfez sur le, le web et vous trouverez euh, le marché cognitif qui vous est présenté, qui est toujours euh, florissant sur l'homopathie, vous allez dans, dans, en pharmacie, nous on a envoyé des groupes d'étudiants, que ce soit des pharmaciens, futurs pharmaciens ou des groupes comme vous ici, en pharmacie, il y en a eu l'année dernière, un groupe qui a, qui a été voir une quinzaine, une vingtaine de pharmacies, ça fait presque scandale, parce que ce qu'ils ont ramené comme information, c'est que le niveau de compétence en pharmacie... Sur la question de l'homopathie, euh, est plus bas en moyenne que, que ce que vous avez, vous, comme niveau maintenant après ce cours. Et je le sais d'autant plus que j'ai fait ce cours-là en fac de pharma, avec en parallèle des gens qui faisaient un cours d'homéopathie et qui ne savaient même pas ce que je raconte là et l'histoire de la construction de cette thérapie. Généralement, les pharmaciens apprennent les, asso les associations entre tel ou tel produit quoi. sur l'homopathie ils apprennent pas grand-chose d'autre. Et donc, le groupe d'étudiants est rentré désespéré en me disant Mais ils sont, ils sont mauvais, quoi. En moyenne, ils sont ultra mauvais, quoi. Et, mais il faut voir que les, le, la profession des pharmaciens a un peu changé. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça devient un peu du, de l'épicerie, quoi. Et ça se vend bien les, la paramédecine, euh, les, la, la parapharmacie, les crèmes anti-rides. C'est ce qui rapporte. Hein. Et donc un pharmacien qui veut survivre, il met homéopathie sur sa, sur sa porte. Sinon, il, il se dit, mais je, on, va, on va penser que je suis plutôt du côté scientiste. Alors je vais le mettre quand même, même si je n'aime pas trop en vendre. Alors que normalement, ils sont censés vous donner une information complète. Ce qui compte beaucoup sur le fait que ça marche, c'est le temps qui passe souvent le médecin. Depuis quelques années, depuis plus de 10 ans maintenant, les médecins sont obligés, de, enfin l'homéopathe est obligé d'être médecin. On ne peut pas être homéopathe freelance. Quoi. Il y en avait, un des derniers, c'était Luc Jouret, le mec de l'Ordre du Temple Solaire, je vous en ai déjà parlé, je crois. Ce qui marche bien, c'est que les prises en charge sont longues, elles sont euh, précises. La personne vous fait parler de vous, vous parle de votre, euh, le médecin vous parle de votre chien, vous parle de votre contexte, vous parle de votre vie. Euh, C'est beaucoup plus euh, chaleureux, généralement, qu'une discussion à l'arrache avec un médecin qui est très pressé de, de faire rentrer des honoraires et qui vous prend euh, en cinq minutes. C'est ça la, la clé, à mon avis, du succès de, de l'homéopathie. J'hésite à vous montrer un extrait. Il y a un film qui... Oh, je vous le mettrai en... Je, je, je vous mets pas le... Ah, bonjour parti. Je vous montre juste le petit bout pour vous donner envie. Le petit bout que vous avez vu là, c'est un bout de Colin Serrault, le film qui s'appelle euh, La crise. Et dans La crise, il y a un passage où il y a une engueulade dans sa femme et un médecin qui est homéopathe. Et elle, elle gueule parce qu'elle dit non, on ne peut plus payer la maison de Rambouillet parce que tu, tes patients, tu les prends trop longtemps. Donc on rentre moins de sous, donc on devient pauvre. Et les banquiers gueulent et tout. Et donc, euh, c'est une scène assez marrante. Mais là, je vois que le temps file. Je ne veux, veux pas vous la montrer. C'est juste un gadget. Mais je vous la mettrai en lien. Vous pourrez la télécharger et regarder ça. Un petit film de Colin Serrault. Un argument qui revient très souvent, qu'on risque de vous dire si vous êtes un peu critique sur cette théorie, c'est de dire oui mais alors, et les animaux, et les bébés Eh bien figurez-vous que l'effet placebo est très grand chez les bébés. Ils sont très réceptifs au contexte. Et si vous n'avez pas de médicaments à lui donner à votre bébé ou à un petit paracétamol ou, je sais pas quoi, ou un machin, contentez-vous de le caresser et de lui faire des bisous. Ça joue. Ce sont des êtres sensibles, très sensibles. Et donc, ils savent si on s'occupe plus d'eux que d'habitude. Ils le sentent, on s'occupe plus d'eux que d'habitude. Et c'est ça, la, la, la stimulation symbolique qui va amener à une réaction réelle, physico-chimique, sécrétion d'endorphine, etc., qui caractérise le placebo. Alors, vous allez me dire, oui, mais les, mais les animaux, par exemple Les animaux Alors, il a été montré que pour les poissons rouges, le placebo existe, mais il n'est pas très gros. Mais pour les animaux qui sont, euh, euh, on va dire, assez proches de nous, euh, mammifères, notamment. L'effet placebo est démontré. Il y a un type qui a passé sa vie à bosser là-dessus qui s'appelle Macmillan. Toutes ces publications, je les ai à la maison. Euh, c'est fantastique. Les chiens sont sensibles au placebo. Les chevaux sont extrêmement sensibles au placebo. Donc euh, c'est logique qu'il y ait un impact quand vous venez apporter de l'homopathie. Ce n'est pas forcément l'homopathie qui a l'effet. Mais c'est le fait que vous veniez plus souvent. Quoi. Vous voyez Et en plus, deuxième argument là-dessus, c'est qui évalue que le cheval va mieux ben, Généralement, c'est son propriétaire qui attend déjà l'effet escompté puisqu'il sait ce qu'il est en train de donner. C'est pas le cheval qui dit euh, oh bah, j'ai le poil plus soyeux aujourd'hui. <laughs> il dit oh mais j'ai plus de diarrhée. Le cheval il sait pas lui, c'est le maître qui sait déjà ce qu'il attend en plus et vous connaissez ce biais là qui consiste à quand on les attentes, à essayer de les, à, à les voir. Si on se met pas dans une situation d'aveugle, on se retrouve dans une situation comme celle d'Oscar Fungst qu'on a vu la dernière fois sur le cheval Hans. Vous vous rappelez il y a deux, deux semaines déjà. Et la rhétorique est convaincante, et la méthode est sympathique, et elle a l'air subversive, d'où le mot alternative, d'ailleurs, que vous retrouvez euh, très souvent. Alors, c'est là qu'on qu pourrait discuter. Il y a le, le rôle des médias là-dedans, il y a le rôle de nos responsables publics, il y a le rôle du système médical dans lequel on est, et puis il y a le, le fait que notre culture médicale, elle est relativement pauvre. Si on savait déjà tout ça, dès l'enfance, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait déjà comprendre. Le post hoc, je pense qu'à 6 ans, on peut comprendre ce que c'est qu'un post hoc. Voilà. Je pense que comprendre ce que c'est que l'effet placebo, les effets placebo, de manière sommaire, je pense qu'on peut le faire en sixième. Ça pourrait faire partie d'une panoplie des premiers secours, si vous voulez, c'est un peu la base, quoi. quand on sait comment ça marche. Quand on sait que 8 à 9 pathologies sur 10 disparaissent spontanément, si on explique ça aux gens, ils n'ont pas besoin de se précipiter chez le médecin pour réclamer des médicaments. Ils disent bon, bah, je vais attendre un peu quand même, parce que ça ne sert pas à grand chose, quoi, vu que ça va guérir tout seul. Voyez, je peux prendre un fluidifiant pour mon nez, mais mon rhume, il passera. quoi. En fait, ce que viennent souvent chercher les patients qui vont dans ce genre de technique-là, c'est. Euh, je, moi, j'en fais mon hypothèse forte, je crois que c'est du combat politique qu'ils viennent chercher. Genre ils se disent Ah, c'est une alternative à quoi eh bien, À la science. Avec euh, le discours ambigu sur les sciences, rappelez-vous le cours numéro 1, on avait dissocié les différents sens du mot science. Des fois, c'est contre l'allopathie. On dit, mais l'allopathie, c'est un terme qui a été inventé par Hahnemann pour désigner tout ce qui n'est pas ce qu'il faisait, lui. <laughs> c'est marrant, un mot. C'est tout ce que Hahnemann ne faisait pas, quoi. Donc l'allopathie, c'est mal. Euh, des fois, on entend contre les effets secondaires. Oui, mais on prend l'homopathie ou de les élixirs floraux parce qu'on ne veut pas d'effets secondaires. En fait, toute substance a des effets secondaires, quoi qu'il arrive. Et personne ne veut d'effets secondaires en soi. On essaie de les minimiser. Et en fait, quand vous faites un choix thérapeutique, c'est un ratio bénéfice-coût. Et vous prenez un risque quand vous prenez un médicament, d'avoir mal au ventre, n'empêche que ça vous enlève votre migraine. C'est un coût. Le mieux, c'est de le faire ce, ce, ce choix de, et lire cette balance la plus objectivement, le plus objectivement possible. C'est le dernier point, moi, qui me captive le plus. Contre les lobbies pharmaceutiques. La plupart des gens ne se rendent pas compte que le comportement des frères Boiron, euh, actuellement, est un, un comportement classique. D'une industrie pharmaceutique tentaculaire, euh, gigantesque. Ils sont multimillionnaires, ils sont 116e ou 115e fortune française, l'un et l'autre. Euh, ils ont racheté tout le monde. Ils fonctionnent exactement comme une boîte capitaliste horrible. Euh, ils ne sont pas différents des autres. C'est glauque et ils sont, ils sont pareils. Donc se dire ah ben, je, je suis contre les, les lobbies pharmaceutiques dont je vais chez Boiron, ça me laisse perplexe. C'est que les gens ne connaissent pas Boiron. Quoi. Donc allez acheter un effet placebo maximisé chez Boiron, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager plutôt de se fabriquer soi-même Et c'est là que des études ont été faites, notamment Ola ça a bossé dessus, mais d'autres aussi. On se rend compte qu'un effet placebo, même quand les gens savent qu'ils en prennent un, ça a quand même un effet. Il est un peu plus petit, mais ça marche quand même. Donc depuis, moi, je fais mes propres placebos. Donc je me fais des tisanes magiques, je fais ça pour mes potes quand ils arrivent. Alors ce que je fais, c'est que je leur dis pas que je leur dis que c'est une tisane magique, mais je leur dis pas que c'est un placebo. Mais par contre, je leur dis après, de façon à ce qu'ils ne soient pas dépendants de ma tisane magique. Alors il y a, dans ma recette il y a plein de trucs. Hein. Il y a le même ingrédient que dans la soupe de, du papa Kung Fu Panda si vous avez vu le premier Kung Fu Panda. Vous, vous regarderez. Il y a un ingrédient commun. Et puis il y a il y a pas mal de rhum souvent parce que le rhum le rhum ça ça guérit. Tout. Enfin ça donne l'impression de guérir tout. Alors les gens sont ah putain ça marche. Oh putain je me sens bien. Voilà. J'ai rien guéri mais mais ils sont contents d'être là quoi. La complaisance médiatique. Je vous raconte juste une anecdote. Et je vous raconte... Enfin, une anecdote. En fait, ce pas une anecdote, c'est un traitement euh, médiatique à proprement parler. Et puis, il faut que je vous dise... En fait, il y a trois trucs encore que je dois vous dire. La première, c'est que on sait maintenant ce qu'il en est de l'homopathie. On sait qu'il n'y a pas d'efficacité propre. Ça, on le sait. Et les méta-analyses qui ont été faites sont toutes euh, cohérentes avec ça. Ce qui se passe, c'est que les médias et les pouvoirs publics... Les médias savent qu'ils risquent de déplaire s'ils annoncent ce genre d'arguments. Et les pouvoirs publics il y en a même un qui disait euh, si quelqu'un touche à l'homéopathie, si un, un ministre de la santé touche à l'homéopathie en France, il saute. Et je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que si quelqu'un touche au remboursement de l'homéopathie, il ne fera pas long feu, quoi. parce que ça a la cote. La France est particulière pour ça, c'est nous qui consommons le plus d'homéopathie au monde. Hein. C'est probablement parce que ces Français euh, boiront. Hein. Avant, il y avait de ça aussi. En 2005, il y a une énorme étude qui est sortie par Chang, c'était à Berne, en Suisse, et ils ont analysé tout. La conclusion, c'était ça. Aucune supériorité de, de, de l'homopathie sur l'effet placebo. On le savait déjà, mais là, maintenant, on en est sûr. Quoi. Vous voyez ça, ça sort. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Vous avez la télé qui s'empare du sujet. Et je vous montre le traitement que France 2, par exemple, euh, lors du JT du soir même, a, comment, comment ils ont monté leur, leur, leur scène. Regardez bien. Est-ce que ça marche si je fais ça voilà. Quand on reparle de l'homéopathie avec euh, cette nouvelle étude scientifique qui alimentera à n'en pas douter la polémique, l'efficacité de l'homéopathie est comparable à celle d'un placebo. D'après les auteurs de la très sérieuse revue britannique The Lancet, l'homéopathie n'est pas plus ni moins efficace que de l'eau sucrée. Le débat est loin d'être clos. Nathalie Sapena, Nathalie Gallet. Merci. Des gélules d'arnica pour les bleus, du gel pour le stress, du camomilla pour la douleur. Un Français sur cinq se soigne régulièrement à l'homéopathie. Du vent, selon la très sérieuse revue scientifique Le Lancet, qui a analysé 200 essais cliniques, conclusion sans appel les petites billes ne valent pas mieux qu'un placebo. Le Lancet annonce même la fin de l'homéopathie. Les médecins doivent être honnêtes avec leurs patients sur l'absence de bénéfices de l'homéopathie. Un conseil que n'ont pas l'intention de suivre les 25 000 médecins homéopathes exerçant en France. Ça fait 30 ans que je suis médecin pas installé. J'ai 12 000 patients. 12 000 patients, ça représente un nombre incalculable de consultations. Ça veut dire qu'il y a au moins 12 000 personnes qui sont complètement stupides. Et à l'échelle de la France, c'est 20 de la population de la France. Nicole Salin se soigne depuis 15 ans à l'homéopathie. Et ce n'est pas l'étude du Lancet qui va lui faire changer ses habitudes. C'est vraiment plus simple que prendre de prendre tous les produits chimiques euh, qu'on peut avaler et qui peut euh, entraîner d'autres problèmes. Euh... Encore. Donc, euh, si ça marche, c'est bien, ça marche pas. Bon, on attaque aux produits chimiques, mais je veux, euh, pourquoi pas essayer C'est un débat vieux comme l'homéopathie que vient relancer l'étude du Lancet. Efficace ou pas, la Sécurité sociale n'a pas tranché. Elle continue à rembourser les médicaments homéopathiques à hauteur de 35%. Ça, c'est une forme de manufacture du consentement. C'est-à-dire que toute la construction. Elle est faite pour que. Je vous ai mis tout le détail là, j'ai essayé de faire ça pour que vous puissiez lire les, les arguments. C'est assez génial parce que l'étude qui sort là, elle est faite justement pour clore la polémique. Première phrase qu'ils disent euh, cette nouvelle étude qui alimentera à n'en pas douter la polémique. Ah oh merde, c'était fait exprès pour clore le truc, pourquoi ils. Vous voyez C'est parce qu'ils n'ont pas envie d'assumer le résultat, quoi. Le débat est loin d'être clos. Bah mais si là il n'est pas clos, qu'est-ce qu'il faut d'autre, quoi comment, comment, comment on peut faire Qu'est-ce qu'on peut produire d'autre pour clore ce débat vous voyez Conclusion sans appel, blablabla. Un conseil qui n'ont pas l'intention de suivre, alors on prête une intention à un groupe des 25 000 homéopathes qui sont d'ailleurs tous avec un lien d'intérêt avec la décision, donc c'est quand même pas joli, joli de dire comme ça. Et là, on a deux témoignages et on ne se rend pas compte dans les JT, ça passe très très vite dans les journaux télévisés, mais généralement, le choix qui est fait, c'est des choix qui sont à charge ou à décharge selon le sujet. Et là, vous avez le, le président de, de, de la Fédération des médecins homéopathes, qui est donc quelqu'un qui n'est pas partiel dans l'affaire, et puis vous avez une dame qui, qui est là. Qui connaît rien, mais qui est consommatrice du truc. Quoi. Et puis elle dit Bon, bah, euh, moi j'en prends, et puis voilà. Quoi, euh, voilà. Et, et ça fait un peu terroir. C'est le ce genre de truc que Jean-Pierre Pernaud aime bien, par exemple. Puis après, vous pouvez vérifier. En fait, chaque phrase elle est assez géniale. Je vous ai tout détaillé ici. Mais donc, c'est la fin qui est vraiment étonnante. Quoi. Efficace ou pas, la Sécurité sociale ne l'a pas tranché. Elle a continué à rembourser à hauteur de 35%. Maintenant, c'est 30%. Mais peu importe. Ce n'est pas la Sécurité sociale de trancher. C'est aux scientifiques de trancher si elle est efficace ou pas. Et c'est fait. Maintenant que la sécurité sociale est, euh, accepte de rembourser ça, c'est une autre question. Il y a un argument d'ailleurs pour ça. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments qui tiennent pour rembourser ça, parce qu'on rembourse quand même quelque chose qui est mensonger de la part d'une industrie et, et qui génère un placebo que vous pourriez fabriquer vous-même. Mais. Le seul argument qui tient un peu la route, c'est de dire les gens en France sont tellement friands d'avoir des médicaments que si on ne leur rembourse plus l'homéopathie, ils risquent de se tourner vers d'autres méthodes thérapeutiques médicamenteuses qui, elles, auront des effets négatifs qui vont peser sur la santé publique. <laughs> Mais en plus, c'est vrai. C'est vrai qui est tragique. Fait que je me dis, si on prend le problème en amont, il suffirait d'expliquer aux gens que les mé le médicament, ce n'est pas, pas automatique ce n'est pas forcément la meilleure solution à ce qu'on qu a, mais en tout cas ce n'est pas la sécurité sociale de trancher, c'est aux scientifiques de trancher si c'est efficace ou pas, et c'est fait. Et ça a été refait encore depuis en 2015, C'était refait en, en 2016, je vous l'ai mis ici dans le British Medical Journal, ça a été fait aussi. Pourquoi ça marche aussi bien actuellement l'homéopathie Moi je pense que ce que vont chercher la plupart des gens que je côtoie qui vont là-bas, la plupart des étudiants qui m'en parlent, ils vont chercher le temps de discussion. Mais en fait ce qui fait le succès de ces méthodes-là, L'alternative alternative, qui propose ces méthodes-là, c'est une alternative de, euh, je veux dire de, de prise en, en, en charge lente, douce, un peu plus douce, quoi, un peu plus à l'écoute. Alors que le système actuel de santé, il est super froid. Et ce n'est pas qu'il est froid en soi. Les médecins que vous avez à l'hôpital, les infirmiers et infirmières que vous avez à l'hôpital, les aides-soignants, ils auront envie d'être gentils, de prendre le temps de discuter avec les mamies, les papys, les enfants, tout le monde, et être sympas. En fait, ils n'ont pas le temps et ils n'ont pas les moyens. Ce qui fait qu'en fait, si nos services publics sont aussi pauvres en chaleur humaine, il va peut-être falloir se poser la question des décisions politiques qui font que ce soit aussi délabré et aussi pauvre. Il y a plein d'infirmiers et d'infirmières qui sont sur le carreau, qui ne trouvent pas de boulot, et vous avez plein d'infirmiers qui font grève dans les urgences, comme l'année dernière ici à Grenoble, parce que c'est scandaleux. Elles sont surpressées. Les gens ne veulent pas être méchants dans les urgences, mais c'est intraitable tous les cas qui arrivent. En fait, c'est une question de moyens, voyez. C'est un peu, c'est un peu étonnant de se rendre compte qu'en fait c'est qu'une question de moyens. Et si on décidait politiquement de mettre des moyens là-dessus, je pense que le succès de ces thérapies qui consistent à aller chercher, voyez, un peu de chaleur humaine. Il ben, y aurait peut-être plus besoin d'aller prendre des risques à se soigner qu'une thérapie qui marche pas, pour éviter d'aller dans un contexte où les thérapies certes marchent, mais le contexte est froid, quoi. Moi je vous encourage à méditer sur ça et j'ai vu quelques questions qui sont intéressantes. Je vous, je, je, je vous prends celle que je vois. Il y en a une sur la micro kinésithérapie, mais j'ai répondu la dernière fois. Donc si la personne n'était partie, elle peut revenir me voir pour m'en pour parler. Que pensez vous de l'effet placebo? Bah, je ne sais pas quoi dire. Je, je peux faire un cours complet dessus. Mon pote Pinceau est archi pointu sur le sujet, Nicolas Pinceau. Le placebo, c'est bien. Exploitez le, domptez le quoi.